Hello tout le monde, c'est Super Brioche d'Orthos, on se retrouve pour le jour 9 de Fallen Kingdom. Comment vas-tu d'Orthos? Bah très bien, et toi Brioche? Ça va, écoute, j'ai trouvé un tout petit peu de fer et je vais remonter. D'accord. J'aime pas trop le fait qu'ils soient autour de la base et nous faire péter, parce que là je sais pas s'ils sont partis. Non, bah écoute, moi je T'avoue, je n'ai pas fait attention et j'ai pas envie de descendre. Menteur. Oui, on leur a fait croire qu'il y avait un creeper, mais bon, on leur a fait peur, c'est parfait. Ok, moi j'essaye de. Par contre, mon arc, tu l'as senti. Il doit avoir un joli truc dessus. Il va nous faire baver. C'est de la Bah, bref, provocation, je suis hein. sûr. J'ai pas fait gaffe à combien. Tu vas voir. Ah, je t'avoue que je n'ai vraiment pas fait gaffe. Nom de cœur qui m'a fait perdre. Ok. Alors, je suis en phase de remontation. D'accord, bah moi j'ad. C'est con à dire, mais je suis obligé d'attendre que tu remontes. Parce que Pourquoi? je n'ai pas de bloc pour reboucher. Reboucher. Bah les petits trous qu'ils ont fait dans notre muraille à l'extérieur. Ah, mais j'en ai pas des masses, hein, je t'avoue. Si je mets la netherrack, ça fera l'affaire. De toute façon, on a C'est que ça au bout. pas solide du tout, mais ça fait un peu. Ouais, quoi que je sais pas. T'es sûr qu'on en a pas? De la cobble. On a tout utilisé là. Ah, zut. Attends, je fais ça. Je prends le risque. Je reviendrai ici la chercher, elle, mais je vais pas laisser la source d'eau. Quoique, non, je vais faire l'inverse, justement. Je vais faire. Hop. Ah bah putain brioche, pour te dire ils ont fait des gros dégâts là-bas à la C'est muraille. vrai. Hein. Ils ont Mais pété quasiment deux couches et ils ont failli péter la troisième. ouais, mais. Tu sais, moi, j'avais pété chez eux. Ça leur a pas empêché. Ne t'en fais pas. Voilà. Niveau cobble, j'en ai 3, hein, parce que j'ai mis autre chose, J'ai quoi. rebouché une partie. Je suis en train de faire le tour de la muraille pour aller voir les autres trous. Ok. Alors, je suis là-haut. Hop, hop, hop. De toute façon, il faut continuer les labyrinthes. Mais par contre, je pense que je m'en occuperai parce que tu risques de casser ce Oui, qu'il faut le pas. passage, ouais. Voilà. Par contre, je te propose que la nuit, bah, on aille leur faire pareil. Ah bah clairement. Clairement. Voilà, on va s'occuper de la table d'enchant quand même. Donc voilà, j'ai rebouché comme j'ai pu, je peux pas mieux reboucher que ça. D'accord, mais c'est très bien. C'est où qu'il y a un trou? Bah attends, je suis en train de creuser un passage pour rentrer. Là. Là. Ah oui, effectivement. Et c'était comme ça sur quasiment les trois épaisseurs. C'est pour ça qu'il faut de la cobble bien en bas, quoi. Mais bon, ça, c'est pas solide du tout, ça, mais ça fera l'affaire pour le moment. J'ai mangé encore. Je vais même faire une petite pioche en diams. Je vais faire la table d'enchant. Ou alors tu veux la faire? Comme tu veux. Non, je vais plutôt modifier notre muraille. Ça marche. Qu'est-ce que tu penserais de mettre des sources d'eau sur la au milieu? Il faut la source d'eau, c'est double tranchant, quoi, parce que s'ils le cassent et qu'ils peuvent monter. Ils peuvent monter après, ils peuvent remonter la source. C'est ça le souci. Bah, ça dépend combien d'épaisseur on met au-dessus, quoi. Tu peux tenter. Si tu penses que ça sécurise, vas-y. Bah, je vais voir. Au pire, si je trouve que ça va pas, bah, je reboucherai. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est Alors, risqué. oui, c'est risqué, mais bon, après, est-ce qu'on est du genre. Mais après, Brioche, si on met la muraille, si on met la source d'eau à 3 blocs de hauteur de la muraille, et que la muraille fait 5 de hauteur. Même s'ils remontent par la source d'eau, ils pourront pas passer. Ouais, attendez, vas-y. Écoute, on n'est pas Bon, à pas. ceci près. Mince, faut peut-être d'abord que je fasse ma pioche avant d'essayer de miner le. Avant d'essayer de truquer. C'est pas trop en français ce que je dis, mais voilà quoi! Bon, par contre, là, on prend de gros risques, hein. Faut pas que je fasse ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? À propos de la muraille d'eau? Ouais. C'est un risque. C'est un risque, mais est-ce qu'on tente? Moi, je le ferai pas parce que j'ai déjà vu des FK perdre à cause de ça, parce que voilà. Bon bah je rebouche. Mais de la lave. Ouais, mais on n'a pas des sources infinies de lave. Ah, j'avoue qu'on aurait pu, je l'aurais fait. Alors c'est le moment du minage d'obsidienne, c'est passionnant, c'est vraiment génial.
Regardez comment on fait ici. On regarde Brioche. Allez, allez Brioche! Une! Allez! Ah, ne me fouettez pas! Non! Deux! Au! Ah non, 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 je perds déjà assez de temps comme ça. Tu apprendras à me taper, vil gredin. Gredin, moi. Silence, le gueux! Oh! Attention, sinon j'appelle Dame Ginette la Poufiasse. Non, c'est Dame. C'est pas Dame Ginette la Poufiasse. Mais après, c'est ce copyright. Dame Béatrice. Mais après, c'est ce copyright. Ah oui, d'accord. On est sur YouTube, hein. Ah non, je ne le reconnais soit pas. Ok, allez, j'ai tout vu là. Waouh, 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 c'est pas. Eh! Hey. Arrête! Quoi? Tu fais pop du poule! Mais justement, j'ai l'impression que quand les poules te touchent, elles pop. Non, mais je suis le. C'est moi le petit Jésus des poules. Hein. Alors, attention, table magique. Tac. Oh, pff, ah, bravo. Hop, hop, hop. Voilà, je pose la table d'enchant dans. Ici. Boum. Parfait. Est-ce qu'on s'enchante? Le stuff, je vais mettre un niveau par stuff. Boum, projectile protection. Boum, protection 1. Protection 1, le torse, protection 1, le pantalon, unbreaking 1, et les boots, protection 1. Ok, voilà. Et est-ce que tu penses que je peux lui faire une épée en diam s'il reste 3 diamants? Oui, oui, vas-y. Je vais m'enchanter niveau 2 mon épée, sharpness 1. GG. Merci. Alors attention, j'espère que je vais avoir une sharpness sur l'épée en diams. Oui, c'est bon. Je suis heureux. Tu m'étonnes. Ok, je rebouche la salle des coffres. Qu'est-ce qu'on peut se faire là? Attends, je vais faire fondre mon truc. Par contre, la nuit, est-ce qu'on prend nos armures, tu crois? Enfin, je veux dire, pour aller les titiller. Oui, oui, on va aller les titiller un petit peu. En armure aller... ou pas? J'hésite. Je pense que si on n'a pas d'armure, ils vont peut-être justement nous sauter à la tronche. Bah ah, oui. Plein de fer ici qui fondait, qui a plus de. Cool, il reste plein de fer en fait. C'est sympa. Ta pioche a pété. Ouais, je récupère un petit peu de cobble pour essayer de terminer la muraille. Ok, on commence à se refaire un petit peu, c'est cool parce que là, on a... il manquerait un petit peu de diamant pour que tu aies une épée. Mais ça commence à venir, c'est cool. Donc ça... là j'hésite Brioche. Est-ce que je devrais enlever la netherrack et remettre de la cobble à la place ou terminer le peu de muraille qui nous reste à faire? Enlever de la netherrack pour mettre de la cobble à la place. Bah je ouais, ouais je... T'as de la cobble? Je viens dans 1 et 20. Ah bah je pense qu'il vaut mieux réparer ça parce que là sinon ils vont repartir. De toute façon je pense qu'ils vont attaquer là où ils ont fait un trou. Non tu penses pas? Ça dépend, peut-être c'est justement ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est vrai. Bon, écoute, c'est toi qui vois. Bah, de toute façon, ne serait-ce que pour l'esthétique, voilà. C'est moche. C'est vrai que c'est moche. Et je vais essayer de continuer un petit peu les labyrinthes, les trucs comme ça. Mettre des torches de redstone ou des machins. Donc là, il faut vraiment que je parte par là. Je les entends, les poupoules. Oup. Je suis tombé. Je suis encore tombé dans mes trous, quoi. Tu te rends compte? Où suis-je? Où cours-je? C'est pas possible. J'ai plus. Non, j'ai plus. Ah, alors, t'as super du. Ah non, c'est bon. Non, oui. L'inconvénient des murailles 3 couches. Mais j'ai refait la même, tu te rends compte ou quoi? C'est pas vrai. Comme quoi? C'est invisible le trou là. Hop! Pff, ah, fuck! Je vais essayer d'y retourner avec un petit. C'est quoi l'inconvénient des trucs 3 couches? Bah, il faut creuser plus pour y aller. Ah bah ouais. Pour rentrer quoi. Là, il me faut des boutons maintenant. Je vais mettre des boutons. Est-ce qu'il y a des torches? Oui, il y a des torches. Merde. Ok, là il faut que je creuse pas mal parce que là il n'y a pas grand chose. Ah bah là on a de la cobble, c'est cool ça. Du bois, est-ce qu'on a du bois? Un petit peu de bois ici. Je suis content parce que ça s'arrange un peu. C'est vrai que notre mort dans le Nether nous a un peu mis dedans quand même. Hein. Puis on était paumés, mais tellement paumés. C'est sûr. Là, on va se refaire.
Alors, je vais faire ça. Alors là, ce que je vais faire un mur en cobble. Tout petit mur en cobble. Tac, 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 tac. Ils vont peut-être croire que c'est là. Je vais faire pareil par là-bas. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de faire des lives de mon côté. Ça va être galère. Oui, je sais Des sur ce lives. sujet-là. Oui, c'est vrai. Mais Bonjour. et justement, des lives, par exemple, des FK de ce genre-là, pour s'entraîner un peu. Oh, une poule surprise. Surprise. Oui, j'ai eu une poule surprise. C'est toi D'accord. là-haut que je vois? Oui, Oui, c'est c'est toi, mon moi. rouge. J'arrive pas à trouver mon. Ah, j'ai trouvé mon zoom. C'est alt. Ouais, non, mais j'ai plus l'habitude. Mais... Il y a des trucs de partout ici. J'ai toujours l'impression que dès que je casse un bloc, que je suis en train de casser le vrai accès. Faut que je retourne en bas. Le problème, c'est qu'il me faut de la. Bon, je pense que c'est pas mal. Bon, il me faudrait de la cobble en masse, donc je vais descendre le plus possible. J'en ai pas en masse, moi, mais j'en ai un peu. Coucou. Salut! Aïe, 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 aïe. Tu te cognes? Aïe. Voilà, je vais creuser ici, c'est bien. Oh putain, je retombe encore sur un truc déjà fait. Bah, tu sais quoi, j'ai des bouffées de chaleur, ça commence là. Ça y est, il fait chaud. Ouais. J'allume le ventilateur à 1. Oh, trop de prestige pour le ventilateur. Ah, attendez, j'essaie Est-ce de que tu mettre l'entends? Oh non, puis si je l'entends, c'est pas grave. Il faut survivre. Oh, j'ai dû faire. Ok, l'accès est toujours là. J'aimerais vraiment que cette échelle se casse, quoi. C'est celle-ci qui nous spotide un peu, quoi. C'est dommage. Même si on n'a quand même pas le réflexe de regarder en haut. On arrive à 11 minutes et quelques. Je vais aller du côté de leur base. Attends, faut que je t'accompagne. J'ai mis la muraille, je t'accompagne. D'accord, cool. Faut T'es en juste que haut? je remonte. Bah, je suis en train de remonter les tunnels. D'accord. Monte un tunnel, Bah, je monte vais un trop. tunnel. Je vais. Ah, toi t'es dans la Ah, salle c'est des à toi. coffres. Exactement. Coucou. Je vais enchanter mon arc. Et on est bon. Attends, je vais déposer dans le coffre ce que j'ai qui. Que je veux pas trop perdre. Enfin, que je veux pas trop perdre. Ce que j'ai, du moins. Faut pas le perdre si on meurt. Parce qu'on va déjà beaucoup de trucs si on meurt. Donc si on n'a plus Ah là, rien après. si je meurs, je perds vraiment beaucoup de choses. Hein. Parce que j'ai quand même tout mon truc là. Je vais vraiment leur faire peur. Par contre, je vais pas prendre mon épée en diams. Quand même Vais laisser pas. mes torches ici. Je suis quand même pas malade. Je vais juste prendre ça. D'ailleurs, je vais l'enchanter, l'épée en fer. Je vais peut-être manger un morceau avant. Là, il serait peut-être aussi utile que je mange IRL, un de ces quatre. Je La commence à faim. légèrement avoir faim. Donc peut-être qu'après le tournage, j'irai au McDo. Oh! Trop de McDo. T'es en haut, c'est bon, je peux fermer. Je suis en haut, effectivement. Je me souviens plus par où est le trou qu'ils avaient commencé à faire. Faut juste que je cherche le gros trou à l'extérieur. Oh, il y a un Enderman! Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Attends, j'arrive. Il y en a deux, brioches. Ah, d'ailleurs, je suis en train de penser, tu sais que si on fait ça, si on a vraiment beaucoup de yeux, il va falloir retourner dans le Nether. Bah oui, parce que pour faire des yeux de l'Ender. Attends, il y a un creep avec, ça me fait un peu. Je vais faire le creep d'abord. Je vais tuer l'araignée qui te court après. Voilà, c'est fait. Ok, ça c'est fait. Attention à pas me taper. Il est où le con? Reviens! Une Aide-la. boule? Rien du tout. Ouais, que dalle. Le deuxième, il est parti dans les ténèbres. Ils sont bon partis sous terre. Je Est-ce que tu veux rebouche. qu'on y aille? Ben, je rebouche juste ça. J'ai pas envie de partir avec ça hein, dans cet état. Il est possible qu'on les croise, alors méfiance. Hein. Je t'ai perdu, t'es dans le trou. Ouais. Allez, viens, on va faire péter du creep. Viens vite. Je me dépêche, je me dépêche. La sécurité de la base avant tout. Ah oui, mais t'as raison. Attends, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est juste là. Il veut quoi, lui? À moins que ce soit une poule que j'ai vue. Non, tu déconnes. Non, il est là, il est là, il est là. Du moins, il y a quelqu'un.
Recule. Je sais pas si... C'est Xef. Qu'est-ce qu'il veut? Il a une potion. Dégage, 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 dégage. Il a une potion. Je sais pas, il a des particules de pouvoir. Je nous creuse un accès vite fait dans la muraille. Ok. J'ose pas me retourner. Je suis là, vite. Ah, niqué, niqué! Il t'a fait mal? Il m'a touché, il m'a enlevé 3 coeurs. Ok. Bon, l'échappe est belle. Je vais essayer de le sniper, mais. Il doit être deg. Il a failli passer. Hein. Tu crois? Ah, il a failli rentrer dans la base. Qu'est-ce qu'il veut? Genre, il me touche, quoi. Effectivement, il fait mal, hein. Tu peux mettre juste assez pour qu'on monte. J'ai pas de bloc du tout, voilà. Juste que j'aille le zioter. Approche-toi. Mais si tu veux mon avis, Brioche, ça sent le début de la fin quand il commence à venir tous les soirs. Non, mais il a des potions de force là. Ou du moins il en a dépensé une, c'est tant pis pour lui. C'est un petit peu du gâchis. Attends, Il Brioche. essaye de me taper. Brioche, provocation. Vas-y. Je vais lui lancer des œufs à la gueule. J'essaie de pas gaspiller mes flèches, j'en ai que 5. Je l'ai raté. Il a plus sa potion. Putain, j'arrive pas à le toucher quoi, tu déconnes. Ah! Je suis vraiment pourri moi. Approche. Ok, il a plus sa potion. Eh, il me fait mal quoi! J'arrive pas à le toucher. Bon bah tant pis quoi. Où tu es toi? Je suis au niveau des fours. D'accord. Je suis allé chercher des œufs. Attends, je me planque un peu, j'essaye de qu'il m'oublie. Fous-nous la Attends. paix! Attends, je vais le faire t'oublier, j'ai des œufs. Parce que là il a plus sa popo. Si on l'attaque tous les deux, peut-être que ça ira, mais ça me fait peur. Hein. Attends, il a un creep là. Je prends pas le risque. Viens, Brioche! Attaque, 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 attaque. Il fuit, le lâche! C'est bon, c'est bon. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Je vais regarder le staff après. Vas-y, 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 vas-y. Je sais pas si Sif est là pour le surveiller, mais. Ok, tu fermes, je zioote ce qu'on a. On a une potion de régénération 2, une potion de force 2, du stuff protection 1, une breaking, une sharpness 1, knockback 1. On a pas mal de trucs sympas, c'est cool. Là, il doit être Ah vert. bah, c'est parfait ça, c'est parfait, parfait, Bah, parfait. en fait, il s'attendait peut-être pas qu'on ose y aller. Ouais, non mais c'est ça, mais en plus j'ai attendu que sa potion parte, parce que j'ai bien vu les petites particules. On va poser tout ça. Tu vas peut-être prendre des trucs, je sais pas si quelque chose t'intéressera. Perso, mon stuff et mon épée me suffisent pour l'instant. Le mieux, D'accord. c'est de stocker des trucs pour plus tard, au Ouais, cas où. t'as raison. Peut-être, limite, il y a peut-être un truc. Toi, t'avais eu un unbreaking, je sais pas quoi, sur une armure. Effectivement, j'avais Unbreaking 1 sur mon pantalon. Ouais, bah, change ça. Ok. Le reste, c'était pas primordial. C'est dommage qu'il avait pas d'œil ou de trucs comme ça sur lui. Ouais, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils sortent avec ça. Est-ce que tu crois que... Ah bah non, il reste 30 secondes. Ce serait dangereux Rebouche de... Il y avait pas des le sac des coffres, flèches? peut-être. Comment ça se fait qu'il avait pas les flèches? Rebouche peut-être la salle des coffres, Oui, pardon, pardon. on sait jamais. T'as raison. Ok, on remonte. J'ai masse de torches, est-ce que t'en veux? Parce que ça peut te servir, juste parce que j'en ai beaucoup sur moi et que ça me sert à rien. Bah après, oui, pourquoi pas. Je te les donne, parce que vraiment, j'en ai plus un Attends. stack. Je vérifie que je vois pas Sif ou quelque chose comme ça. Y a pas des flèches? Tiens, je te donne 32 torches pour faire ça. Bon bah écoute, j'en espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Magnifique action contre Xef là. Ouais, Ça c'était fait. sympa. Ça C'était remonte le sympa. moral, voilà. Exactement, on commence à avoir des trucs comme quoi les situations s'inversent un peu. Voilà, donc bah, on vous dit à tout de suite pour l'épisode 10. À tout de suite, enfin dans 2 jours.